начинается. Bonjour à tous, on se retrouve sur World of Tanks et la carte est la louf. Cette fois-ci, je m'en souviens. Après avoir fait un char à tourelle, maintenant, je vais vous expliquer comment on joue un char d'assaut frontal avec un big gun comme le 130 mm. Normalement, c'est un 130 mm du SU-100Y. C'est un 130 mm, effectivement. Ça me permet de faire le tour tout de suite vers l'historique. Alors, c'est un char qui a été développé en 1940 par, bien sûr, l'armée rouge. C'est sur une case de T-150, ok, et ça a été affublé d'un canon naval B-13S2, voilà. Alors, il y a eu, à l'image du T-50-2 qui est déjà apparu sur cette chaîne, qu'un seul exemplaire de fourni. Par contre, il n'a pas combattu Leningrad, il a combattu à Moscou et il est aujourd'hui au musée des blindés de Kubinka en Russie. Alors, elle a l'ouf, j'aime beaucoup la jouer, cette map. Pareil, je reviendrai dessus un autre jour, un jour où j'aurai un meilleur gameplay que ça à vous montrer pour vous expliquer la map. Parce que honnêtement, je préfère faire du gameplay en med pour vous expliquer une map, c'est quand même plus intéressant et plus dynamique. Après, en parlant de dynamisme aujourd'hui, rassurez-vous, le SU-100Y va vous faire preuve de sa pugnacité et de son allant, de sa capacité au combat. Enfin voilà, vous allez voir, ils vont manger en face. Ils vont manger chaud et ils l'auront bien mérité. Alors, le SU-100Y, vous allez m'arrêter tout de suite. Ouais, c'est pas un char d'assaut, machin, bidule. Attendez, on est contre du 6, du 5, ça va quoi. Ça passe, en vrai ça passe. Il faut faire gaffe, mais ça passe. L'avantage du SU-100Y, vous allez... Hop, voilà, 441 d'alpha contre du 6 et du 5. Je vous promets que ça fait un taf monstrueux. Même problème ici qu'avec les 1000, et même problème récurrent de toute manière à toutes les replays sur Watt. On n'a pas le temps de rechargement qui ici est aux alentours entre 11 et 12 secondes. Alors, au contraire de ma première vidéo avec le SU-100Y, cette fois-ci j'ai bien le cerveau ouvert, j'avais bien prévu ce que je voulais faire. Il faut savoir que c'est une map que j'ai horreur de jouer en campant, donc c'est très très rare que je campe avec un de mes chars joués sur cette map, à part bien sûr sur un TD ou sur une Arty, parce que ça m'arrive de jouer Arty, oui. Donc j'avais décidé que je voulais absolument pas camper, et je voulais utiliser ce 130 mm pour faire des gros trous. On va essayer de faire des gros trous, donc ici il faut faire un peu de ménage. Vous savez que le Skoda T25 on a 3, oui, bon, ben c'était la mauvaise opération du jour. À dire que après ça, j'étais un petit peu énervé, sachant qu'en plus il le bute juste après, ça m'a, ouais, honnêtement, j'étais vénère. Alors je suis allé au lourd, et je me suis dit, bah pourquoi pas, on y va. Voilà, le SU-100Y, le SU, par contre, V4361H en face, qui ne s'attendait absolument pas à me voir là, prend une petite pelle à 427, plus petite que tout à l'heure. Vous inquiétez pas, on va revenir une deuxième fois, on va lui remettre une deuxième cahouette, ça va lui faire du bien, et nous, ça va nous faire des points. Churchill a tiré. Alors le Churchill, il faut savoir qu'il a une très très bonne cadence de tir, voilà, il arrive à en mettre une. Et là, le V4361H prend 493. Je vous promets que quand vous êtes en première ligne en lourd, désolé T150, mais enfin, laisse-moi jouer. Voilà, regarde, tu vois, 453, maintenant vous pouvez le finir, c'est cool. En 4 tirs, on est presque à 2000 PV de dégâts, ce qui est pas mal pour le SU-100Y, j'aime bien, ouais, une partie à 200, à 2000 de dégâts. Ça me va bien, j'aurais bien aimé arrondir un petit peu plus. Bon, on va pousser encore, il n'y a pas de problème, on va pousser. Sachant qu'à cette heure-ci, je regarde la map et je me rends bien compte qu'il y a un souci à droite. Hein. Il y a un souci à l'est, là, c'est pas cool. Il va se passer un truc absolument pas cool. Donc il faut absolument augmenter le rythme de jeu, ce qu'on fait ici en cassant le KV1. On libère un peu la place, le M10R BFM s'est nettoyé, merci beaucoup. Voilà, maintenant on est à vraiment 2000 de dégâts, de 1 kill seulement. On a fait le ménage du côté là, normalement ça devrait être facile pour la suite. Si l'équipe. Ah si l'équipe adverse a bougé, c'est embêtant. Et c'est un V4301 dès qu'on est en face de nous maintenant. Bon bah c'est pas grave, on va jouer un peu plus safe hein, parce que bon, il manque quand même quelques PV. Et l'avantage de ce genre de trade, c'est que vous savez que vous pouvez, bon à 189 PV, vous pouvez vous permettre de perdre encore un tir. C'est chaud, ça passe. Après il faudra plus en perdre quoi.
Par contre, le gars en face, il a qu'une seule chance. Et si vous êtes attentif, comme je l'ai été là, à rester sur votre, à être moins agressif, on va dire, qu'en tout début de jeu, mais agressif quand même, en étant positionné de manière très 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 forward, ça passe sans problème et ça vous permet, ouais, d'enlever 450 bons points à l'adversaire, ce qui la plupart du temps lui fait faire une bonne grimace et ce qui le fait réfléchir à deux fois avant de revenir. La preuve, c'est que le VK30-01D, on le reverra plus. Alors, il va falloir aller chercher les suivants, et là, ça va être plus compliqué parce que, et je vous cache pas, que c'est le principal problème d'un TD sans tourelle qui plus est, c'est que, au niveau du spot, bah, c'est pas top, hein. On va pas se mentir, on est sur du pas top. Ici, un tir chanceux qui rip un peu, hein. Vous avez vu l'obus partir un peu n'importe nawak. Bon, ça passe, et on fait une destruction, donc c'est le deuxième kill, enfin, parce que au vu du nombre de dégâts, bah, on n'a pas beaucoup de kills. Et je me pose la question maintenant, droite, gauche, est-ce qu'on doit cap, est-ce qu'on doit pas cap? Le problème, c'est que si le Luston Astorcy me spot, que la SU-100 ou le C-MoVNT derrière sont en position de tir pour tirer sur la cap, ce qui a priori sont, hein, puisque vous voyez le T-150 prendre des shots derrière moi, bah c'est chaud, hein, c'est vraiment très très chaud. Donc, on va essayer le S-100. Ah, ça passe pas. Ouais, ça peut pas passer à tous les coups, hein, en vrai, voilà, c'était... Bon, c'est tout, c'est comme ça. On met fortement la pression, et ici, bah, au final, en mettant la pression comme ça, l'équipe adverse dessert complètement l'étau qu'ils avaient sur nous. Bon, je pense que les nôtres sont un peu aussi bougés au niveau sud. Et bah, il reste 2 kills à faire, alors... Bon, bah, à cette heure-ci, j'ai pas la vitesse. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le SU-100Y... Comme blindé d'assaut, oui. Par contre, c'est quand même pas très rapide, quoi. C'est pas très rapide. En fin de game comme ça, en fait, vous n'arrivez plus à grappiller autant de points qu'au début. À part si vous êtes le dernier en vie, nani nana. Et là, c'est absolument pas le cas. On est en train de nettoyer la fin de l'équipe ennemie. Donc, si je veux refaire des kills, j'ai pas le choix. Faut que j'aille grappiller ce qui reste. Et honnêtement, il reste pas grand-chose. Voilà, sous l'exception des derniers chars. Une petite démonstration, s'il en fallait une, que quand vous cliquez sur le bouton combattre en haut, ben, vous venez pour combattre, pas pour vous tourner les pouces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas les pouces, les commentaires, j'y répondrai sans problème, et bien entendu, moi je vous souhaite une excellente journée.